J'inspire. J'expire lentement. Mon corps se pose dans ce temps de méditation. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment. Mes yeux fermés. Je laisse partir toutes les pensées. Pour me connecter aujourd'hui à l'énergie du cristal de sagesse. Inspiré par la musique de Mozart. Comme la fleur à 5 pétales. Campé sur tes jambes. Bras ouverts. Le cœur à l'unisson de Mozart. Écris-toi comme lui. J'aime les notes qui s'aiment. J'inspire. J'expire lentement. Mon corps s'apaise. Je m'installe confortablement dans ce temps que je m'accorde. Tout mon corps bien détendu, relâché. Je m'installe tranquillement et je porte mon regard à l'intérieur. En douceur, je relâche chaque partie de mon corps au rythme de ma respiration. Dans un état de conscience et de vigilance absolue. Ma respiration naturelle apaise
les tensions qui pourraient subsister de ci, de là. Sans juger ce que je ressens, j'accueille j'utilise ma respiration pour soutenir mon attention. Chaque souffle est un moment de connexion à moi-même. J'inspire. J'expire tranquillement. Je suis dans la plénitude de l'instant. À chaque inspire et à chaque expire, je fais venir la sensation de détente, de plénitude. D'acceptation profonde. Je demeure dans cette présence à moi-même. Je me fais confiance. Dans ce temps de méditation, pour me guider vers l'amour de moi-même. Quelle que soit l'attention que je me porte aujourd'hui, dans mon quotidien, je fais le choix d'adopter aujourd'hui une attitude et une posture aimante. Mon esprit se tourne délibérément et uniquement vers moi-même. Sans me juger,
je m'accorde aujourd'hui toute l'attention que je mérite. Plus mon attention se pose sur moi, plus mes sensations et perceptions deviennent vastes, intemporelles. Je me laisse bercer par mon propre souffle, dans ma propre conscience. Je suis connectée à moi-même. Et aujourd'hui, toute mon attention est portée à mon cœur. Et à ce cristal l'amour que je me porte et qu'à partir d'aujourd'hui, je choisis de me porter inconditionnellement. Dans cet état méditatif aujourd'hui, je choisis de développer un état de conscience empli de clarté, de lucidité, de patience, de générosité, d'ouverture à ce qui est, d'ouverture à l'autre. En me permettant de me centrer, d'être présente à moi-même, en me permettant de devenir de plus en plus libre des besoins, des comparaisons, des désirs qui peut-être me taraudent habituellement. Grâce à cette méditation aujourd'hui, je deviens riche de cet amour inconditionnel déjà présent en moi, mais que peut-être
J'ai voilé quelque temps. Pour quelques raisons. Grâce à cette méditation aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Je suis une meilleure personne. Je me comporte avec autrui, avec amour. Je me comporte avec moi-même, avec amour. Je me libère des croyances. Qui me guidait jusqu'à maintenant. Peut-être même sans m'en rendre compte. À partir d'aujourd'hui, j'agis. Avec amour. Pour m'épanouir dans le bonheur que je me souhaite. Égoïstement, je me porte cet amour. Que peut-être j'attends des autres. Alors je commence par moi. Je m'aide moi-même. Sachant que tout est énergie en mouvement. Que tout est déplacement, circulation, évolution, métamorphose, transformation, mutation. Aujourd'hui, je fais le choix de changer. Pour amener la joie, l'amour et l'énergie, même si peut-être, pour le moment, cela me paraît compliqué. Éloigné de ce que je ressens, ou tout autre jugement de mon ego. Je me fais confiance pour ouvrir mon cœur. Accepter de recevoir autant d'amour, voire plus,
que je n'en donne déjà. Accepter de ressentir cet amour inconditionnel pour moi. J'admets. J'accepte de voir. Je lâche prise. Et je laisse partir. Des sensations qui me contraignent peut-être actuellement. Il peut s'agir d'émotions conflictuelles, de peur, de sensations de manque, d'attente, d'espoir, d'idées préconçues qui m'empêchent de vivre le moment présent. Je lâche ces émotions qui peut-être jusqu'à aujourd'hui m'ont donné l'illusion de pouvoir tenir, voire survivre. Dans des situations déstabilisantes de la vie. Aujourd'hui, j'accepte de ne plus entretenir ces pensées qui m'éloignent du véritable amour. Pour cela, j'adopte une position neutre, vraie, ancrée. Au-delà du temps et de l'espace, pour matérialiser cet amour en moi. Pour aider mon cœur à vibrer de cet amour inconditionnel. Je choisis aujourd'hui, sur l'écran de mon esprit, sans chercher à juger ni contrôler, que j'ai l'impression d'y arriver ou pas, je laisse venir un mouvement que je vais suivre sans m'identifier à lui. Un
un peu comme si j'observais cet écran, ce mouvement sur l'écran, par le biais d'une loupe ou d'un microscope. Ou comme si je regardais de loin ce qui se passe dans l'esprit d'une autre personne. J'imagine, j'observe, ou je ressens, ou je me laisse simplement guider par la voix, en faisant confiance à ce qui se présente à moi. J'observe en détail les ramifications du mouvement que je vois, que je perçois. J'accueille. Et je perçois en conscience, comme ce mouvement agit en moi et par moi. Sans réfléchir, ni contrôler. J'observe, je ressens simplement les vagues d'énergie que sont mes pensées et mes émotions, comme les vagues sur la plage, par exemple. Elles naissent, grandissent, se brisent et disparaissent. L'une après l'autre. Alors, sans retenir ses pensées ni ses émotions, je les laisse me traverser sans m'identifier à elles. Ces mouvements qui me traversent sont la vie même. En les observant sans m'y attacher, je libère mon esprit de cet enfermement. Dans un passé, dans des douleurs, dans des émotions négatives, dans des habitudes qui m'enferment. Aujourd'hui, je laisse de côté ces anciennes préoccupations. J'adopte de nouveaux comportements. J'éprouve la douceur de me sentir libre.
J'accueille ce qu'il se passe dans mon cœur. Sans m'y attacher. Je savoure l'instant encore et encore. Mon esprit ouvert. Joyeux et créatif. Mon cœur danse avec et sur les vagues des pensées, des émotions, de mon mental. Je deviens libre d'aimer et de m'aimer avant même de penser à aimer les autres. Je dirige cet amour inconditionnel d'abord vers moi. Je suis le mouvement de la vie en moi. Je suis confiance. Je suis amour. Je découvre combien le monde est serein et paisible. Quand je m'éveille, à la réalité de cet amour, qui est déjà présent et que je m'autorise à ressentir, à exprimer pour moi-même. J'apprends à mieux me connaître. À accepter mon bonheur intérieur inconditionnellement et indépendamment des événements qui jalonnent ma vie. Je fais le choix de la stabilité impermanente. Au-delà du temps et de l'espace, je suis ancrée en moi-même. Je ressens la plénitude, la confiance en moi. Le bonheur qui emplit mon cœur véritablement. Je me libère de l'emprise de mon mental. Des jugements d'autrui. Et surtout de cet auto-sabotage qui peut être m'a conduit
là où je suis aujourd'hui. J'accepte. De m'aimer. De danser. Rire. De pleurer, d'être en colère. Et ainsi de lâcher toutes ces émotions en excès qui me détournent de cet amour pour moi-même. Sur cet écran, ce mouvement que je perçois, que je vois venir vers moi, me traverser, sans déstabiliser mon corps, sans atteindre mon cœur empli d'amour inconditionnel. Bien ancré en moi. Mon cœur vibre d'amour. Je m'aime. J'aime. Et je suis aimée. Dans la danse de la vie, la mélodie du temps, je joue les notes de l'amour. Pour moi. D'abord et avant tout, je m'aime, j'aime et je suis aimée. Et si parfois il m'arrive d'en douter, je peux revivre cette méditation, ressentir
ses perceptions. Revoir les vagues. Me libérer de l'attachement. Accepter. De m'aimer comme je le mérite. J'inspire. J'expire profondément. Et j'ancre ces messages dans chaque cellule de mon corps, dans mon cœur, sachant que bien entendu, je pourrais méditer à nouveau ainsi, de plus en plus développer cet amour pour moi, et lâcher ce dont je n'ai plus besoin, en confiance. Mais pour aujourd'hui, je vais accepter de mettre fin à la séance. En gardant tous les bienfaits. Et laissant durer le plus longtemps possible. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai réimaginer l'endroit où je me trouve. Revoir la position de confort que j'avais choisie. Et doucement reprendre du tonus. Bouger, m'étirer, bâiller. Puis je pourrais rouvrir les yeux et revenir ici. Et maintenant.